Et salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve ensemble pour le 13e épisode sur Resident Evil Village. Et nous sommes du coup revenus dans cette église, décidément on la connaît par cœur celle-là. La dernière fois je vous rappelle que nous avions visité un tout petit peu, pas mal on va dire, les restes du village. Donc on a tout fouillé, hein. Il ne nous reste plus rien. Tous les trésors, on les a trouvés. Alors j'ai juste cette porte là, on va juste y retourner très rapidement, voir s'il n'y a pas quelque chose que l'on pourrait, voir, que l'on pourrait trouver, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que cette clé là, elle nous a permis d'ouvrir cet endroit, mais il n'y a pas grand chose ici. Hein. En plus, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Comme je disais, je pense que c'est une sortie par rapport au domaine où on va aller. On verra, j'espère. De toute façon, il ne faut pas oublier que le village est un hub central dans tout le jeu. Donc on y est revenu pas mal de fois déjà. Donc il y a moyen. Allez, bah, je vous rappelle qu'à la dernière fois, voilà, exactement, on avait fouillé le village, mais on devait aller se diriger vers le domaine d'Heisenberg. Vous voyez, il avait mis des panneaux partout. The show must go on. The show must go on. Une belle musique de Queen, du groupe Queen. Et salut à toi, Rudy. Bienvenue. Je viens juste de commencer. T'arrives donc pile au bon moment. Voilà, un petit point inventaire du coup. J'avais rechargé toutes mes armes à la fin du live précédent. J'ai encore un petit crochet. J'ai 5 grenades aveuglantes et 2 grenades explosives. J'ai 26 balles de snipe. J'ai plus de balles de pompe, c'est ça qui m'embête un petit peu. J'en ai tout dépensé face au loup-garou la dernière fois, le loup-garou alpha. On a le M1911 où il ne reste que 8 balles. Et donc on a un magnum qui est quand même bien fourni, hein, avec des stats de fou. Bon, qui n'est pas optimisé puisque le marchand ne nous permet pas de l'optimiser encore. Et juste un soin. Interagir, ça y est, on va pouvoir mettre enfin la clé fœtus à 6 ailes. La flemme ce soir, pas envie de jouer. On sent le mec qui a le seum. Tu m'as bien fait rire la dernière fois quand même. Enfin, j'ai vu en rediff du coup. Vu qu'on liveait en même temps. Bonne chance. Super, merci Heisenberg. Ah putain, on a deux passages. Alors attendez, faites voir. Allez, on va prendre à gauche. On va voir si j'ai bien compris les explications d'un ami. D'ailleurs, je dédicace ce live à Toto. Il se reconnaîtra si, quand il regardera la vidéo. Il n'y a pas du poiscaille ici. Il y a quand même pas mal de choses là. Siri. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette Siri? Est-ce qu'on peut y rentrer déjà? C'est verrouillé depuis l'autre côté, comme quoi. Ah, purée, ce Last of Us 2. J'avoue que quand j'ai regardé l'hôpital en rediff, tu m'as bien fait rire. Mais le must du must restera quand même ta prestation face au tyran de Resident Evil 2 original sur PS1. Mais j'ai jamais autant ri en regardant un let's play. Hein. Il t'arrivait pas à ramasser le lance-roquette. Mais qu'est-ce que j'ai ri. J'ai fait une vidéo à vie sur Resident Evil 8, mais avec spoil. C'est pour ça que je l'ai pas regardé, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu le titre. Les gens sont très motivés. J'ai 34 commentaires en un jour. Ah oui. Mais ça tombe bien parce que moi, je pensais effectivement en faire une également. Mais quand j'aurai fini le jeu, bien entendu. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, en positif, sur ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Bien sûr, je suis loin d'avoir tout fait. Il y a quand même des choses négatives, hein, là. Mais il y a des choses à dire. Et par rapport à ce que j'ai entendu, alors c'est marrant parce que j'ai deux versions. J'ai la tienne et j'en ai un de Umbrella, je sais plus son nom entier.
que je salue d'ailleurs au passage, mais qui a été moins... Ah putain, non. Qui a été moins violent que toi sur la fin de ce jeu. Évidemment, on me met des animaux. Allez, putain. Je suis désolé. Oh, putain. Je déteste tuer les animaux sauvages dans ce jeu. On voit qu'ils souffrent en plus, c'est horrible. C'est pas comme dans les Assassin's Creed où franchement on s'en fout. Je sais pas, non, ça me touche pas les, de tuer les animaux dans Assassin's Creed, notamment Valhalla, c'est un fragment de cristal. Parce qu'ils te foncent dedans, parce qu'ils t'attaquent sans raison, voilà. Tandis que là, ils nous foutent la paix, et en plus quand on leur tire une balle ou quand on leur donne un coup de couteau, on voit qu'ils souffrent, j'ai horreur de ça. Bon, j'espère que je suis dans le bon endroit. En tout cas, il y a l'air d'y avoir un trésor caché ici. Alors oui, quand je dis que j'en ressens du positif, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, attention, il y a quand même des choses qui me dérangent hein, jusqu'à présent. Hein. Et pas dans le jeu d'horreur, mais plus dans le... D'accord. Dans la licence. Allez, allez mon pote. C'est le même que dans le domaine Beneviento, j'ai l'impression. Oh, j'ai loupé. Attends, et je l'enchaîne. Le problème, c'est que j'ai plus de balles de pompe. Voilà, je les ai, c'est bon. Oh non, t'es sérieux, là? Putain, il a une bonne détente. Non, c'est pas ça. Non! Je voulais tirer sur le tonneau, ça n'a pas marché. Ah oui, il en a, il s'en bat les coucous de miettes. Non, arrête. Oh, oh punaise. Oh, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Ah mais j'ai plus de soins. Ah non, je suis pas du tout en hardcore. Ah mais j'ai le lance-grenade, je suis con. Ah ben voilà, la première mort déjà de cet épisode. Non, je suis en normal. Putain, et je l'ai bastonné à la tronche. Ah, il y a quand même des petits checkpoints. Évidemment, il faut que je retue le cochon. Désolé, Malorm. Il y a quand même des petits checkpoints. C'est pas comme dans les anciens. Ah ouais, les mines, c'est pas bête, ça. Ah ouais, ça peut être ma... La petite tactique. Bah, je sais pas, mais c'est ouf, quoi. J'ai pas arrêté de le bastonner de balles de snipe dans la tronche. Ça a pas l'air de lui faire plus que ça, quoi. Ah. Non mais KO, si tu vises à côté, déjà qu'il est lourd. Il m'a touché. Genre. Ah non, je les ai pas prises, putain.
Alors évidemment, il y a un griffon qui va m'emmerder. Dégage. Mais dégage! Voilà! Oh putain, il est déjà là! Oh putain! Oh là là, mais il est chiant! Alors, la mine, on va refaire une mine. Il est là. Mais casse-toi! Voilà. Voilà. C'est bon? Putain, ouais, les mines, ça sert. Ouh! Grande hache cristallisée. Et ben voilà! C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me servir de ces armes-là. Mais ouais, là pour le coup, les mines, et je pense que les bâtons explosifs m'auraient bien été utiles aussi. Bon, au moins j'ai économisé des grenades, c'est très bien. J'ai encore pas mal de snipes. Et par contre, le griffon, je ne sais pas où il est du coup. C'est très étrange. En attendant, il avait quand même de la vie. Et ben, je viens de buter du lourd là, un gros gros boss. Enfin, un boss, je sais pas si on peut appeler ça un boss, mais. Si, quand même, c'est un gros ennemi avec une grosse hache. Et qui m'a tué une fois. Et j'étais pas mort depuis les pièges d'Heisenberg au tout début du jeu, hein, je précise. Donc, j'ai quand même des bonnes stats. Hein. Bon, voilà, du coup, ça rebaisse un petit peu. Mais, c'est quoi ça, cadenas? On va d'abord, avant de sortir d'ici, on va d'abord visiter en haut lieu ce qu'il y a ici. Alors on pouvait quand même aller en haut, j'ai l'impression que j'aurais pu aussi interagir avec d'autres caisses enflammées. C'est vrai que contre Moro aussi, je me suis pas servi de toutes ces caisses qui explosaient. Mais bon. On va reprendre le flingue du coup, je pense que là maintenant le danger est écarté, tout danger est écarté, donc là c'est bleu, donc on va pouvoir se barrer. Et j'ai 3 cadenas. Alors j'ai l'impression du coup qu'on peut très bien sortir d'ici sans le tuer, mais bon, vous avez la hache cristallisée en moins. Une plante. Ah, c'est ce qui me manquait pour faire des soins, je pense. Évidemment qu'on va bastonner les soins. D'ailleurs, je vais en prendre un maintenant. Voilà, parfait, parce que là, ça commençait à urger. Voilà. Alors on va faire un peu de tri. Qu'est-ce que c'est ça? Cartouche de fusil, de toute façon on va les utiliser. Cartouche de pistolet ici. Ça c'était du magnum, bah, c'est bon, on a déjà tout rangé. Alors on va juste recharger tout ça. Voilà. Un petit sous-boss, t'es gentil, hein, il était pas petit. Bien. Alors, on est dans une boucherie. Sur le plan, il y a marqué Siri, mais vu toute la viande qu'il y a... Ah, du poisson. C'est ce qui me manque, moi, dans les plats à concocter chez le marchand. J'aimerais en trouver un petit peu plus. Ah, un bouquin. 8 juillet. C'est aujourd'hui que ce sympathique marchand nous rend visite, justement. Il me donne toujours des vieux journaux. Je sais que Miranda les interdit, mais les nouvelles du monde extérieur sont toujours si fascinantes. D'ailleurs, quelque chose a piqué ma curiosité dans le dernier. C'était un article à propos d'une société qui fabrique des médicaments. Je ne me souviens plus de son nom, mais son logo m'a semblé familier. Et évidemment, on parle de Umbrella. Enfin ! Il y avait le même symbole sur le calice des géants, et je suis persuadé de l'avoir vu aussi sur les murs de la grotte. Ce symbole m'a toujours fait penser à un parapluie. Indice, hein. Mais comment se fait-il qu'il soit devenu l'emblème d'une société étrangère? Je me demande si ça n'a pas un rapport avec cet homme qui a séjourné ici il y a longtemps. Bah, je me fais sûrement des idées. Donc, est-ce qu'on est encore dans des genèses? Alors, j'espère qu'il va pas y avoir d'incohérence de scénario avec les Spencer, les Ashford et compagnie, hein. S'il vous plaît. D'ailleurs, c'était quoi son nom à Marcus? Je sais plus, le méchant du zéro. C'était Marcus, je sais plus quoi.
Ange de Nicolas. Ah bah c'est certainement le trésor. Allez, on casse tout ça. Plante, je pourrais refaire des soins, c'est parfait. D'ailleurs, je vais en refaire maintenant, ce sera fait. Voilà, parfait. Qu'est-ce que je peux faire? La balle de fusil sniper? Non, pas maintenant. On en a quand même pas mal. Alors, du coup, on va mettre le bâton ici et on va mettre la viande. Voilà, ici. C'est un peu bizarre mon rangement, mais bon, de toute façon. Ah, bah le voilà. Eh, je t'ai fait une dédicace avant que tu arrives, Toto. Je te ferai dire. J'ai écouté ton conseil et je suis allé à gauche avant d'aller tout droit, comme tu me l'as dit, et je suis sorti de cette magnifique scierie. Et non, il ne s'agit pas d'une bouteille. Bien. Alors par contre, il n'y a pas de poiscaille ici, hein. C'est bien dommage. Il faut quand même surveiller. Ah, il y a un copinou là. Viens là. Oula, il y a plusieurs copinous d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux toi? T'as un problème? Voilà. Ça va pas, non? Et une plante et un fluide. On va pouvoir donc refaire des vies. Parfait. Et des balles de fusil à pompe. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Bon, ben, il n'y a pas de poiscaille. Et de la ferraille. Je reprends mon petit flingue. Bien, alors du coup ici c'est bon. Et là, ok. Regarde sous la maison. Si c'est là-bas, là, j'y suis déjà allé, mais bon, j'ai quand même y retourner. Du coup, dans le doute, il y avait une chèvre, hein. Mais normalement, c'est fait, hein. Ouais, non, il n'y a plus rien. Puis de toute façon, c'est bleu, donc c'est déjà fait. Bien, allez, on va pouvoir aller cette fois-ci tout droit. En tout cas, s'il y a des lycans encore. Et on retombe sur le panneau Good Luck. Évidemment, ce. Putain, c'est quelqu'un ça? Ah non, c'est un pendu. Ah ouais. Évidemment, ce trou du cul d'Ethan. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est derrière moi? Non, c'est pas derrière. Il est où? Je vais pouvoir réagir d'un coup. Ce trou du cul d'Ethan n'allume pas sa lampe torche. Il est où? Oh, montre-toi là! Ça m'énerve là d'entendre rager là à côté de moi, là, je sais pas ce que c'est. Non? Bon, je reprends mon flingue du coup. Alors on est où là? Ok, on est dans un. On dirait un petit terrain quand même. Hein. Je pense que ça peut être assez dense pour avoir un petit combat. Et je crois savoir ce que c'est. Ah putain. Il y a du monde là-bas. Allez. Allez. Merde, qu'est-ce que je fais, putain? Les objets, ils disparaissent quand ils sont au sol ou pas? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es malade! Non, mais n'importe quoi! L'autre, il a cru qu'il allait monter, là. Ah, tiens. Bonjour, monsieur. Merde! La mimine, je l'ai eu sur la mimine. Voilà. Non mais oh. Malade lui. L'autre qui monte là. Bon. Chose faite. Alors il n'y a pas de zone rouge ou bleue ici. C'est au petit bonheur la chance. Hein. Ah, il y a une plante là. J'avais loupé une plante. Et du coup, est-ce qu'on se referait pas un petit soin là? Mais si qu'on va se faire un petit soin. Voilà.
Ah ben ouais, il y a encore une plante ici, donc est-ce qu'on se referait pas un petit soin? Mais oui, on va se refaire un petit soin. Putain, je manquais de soin, bah alors là, la bagatelle, là. Regardez-moi ça. Faites péter le mercurochrome, là. Hop. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est nul, parce que dans le 4, on pouvait... Quand on posait un objet sur un autre, ben c'est l'autre qu'on pouvait déplacer. Là, il faut poser dans un endroit vierge pour reprendre. C'est un peu débile, ça. Bon, ça peut faire l'objet d'une mise à jour, hein. C'est pas non plus très grave, mais ergonomiquement, je trouve que c'est un peu moins bien, je trouve. Quoi, il y en a encore, c'est ça? J'entends des bruits encore. Vous en voulez encore? Un petit pont. Attends, il a l'air quand même éloigné. Ah, c'en est un, ça. Coucou! Oh, ce qui s'est pris dans la gueule! Allez, on descend. Ah, encore. Là, t'approches pas. Si tu t'approches trop, tu te prends un coup de fusil. C'est comme ça, c'est la règle. Non mais oh. Ah, je peux encore fabriquer des choses? Qu'est-ce que je peux fabriquer? Ah, des balles de pompe, ce sera parfait. Merci. C'est vraiment sur ça que pour l'instant que je peine. C'est sur les balles de pompe. Le reste pour l'instant, c'est pas trop mal. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous me faites, vous? Vous voulez jouer au snipe? Allez, dégage. Là, là, il y en a encore un. Là, non mais dites donc, vous. Bon, ça me plaît moyen, les ennemis dans Resident Evil qui ont des armes à distance, quoi. C'est pas ce que je recherche dans un RE, merde. Bon, s'ils sont que deux, c'est pas bien grave. Mais j'imagine que s'il y en a, c'est qu'il y en aura d'autres. Une mine. Cette fois-ci, on va pas les critiquer, les mines, parce qu'elles m'auront bien servi contre le petit sous-boss. Parce qu'apparemment, il est petit. Par contre, j'aime pas beaucoup le fait qu'il y ait un tonneau ici, ou alors j'ai été trop efficace. Bah écoute, là pour l'instant je l'ai fait à la militaire, c'est-à-dire que je me couvre derrière un mur. Et ensuite, baila con Dios avec le snipe, en mode Call of Duty, tu vois. Bien que je déteste ce genre de jeu, mais bon. Ah. Voilà. Non mais oh. Ça va, oui? Tiens! Tiens! Oula! Oula! Ouh, il est passé, lui! Ouh, il a failli passer! Et il se relève, en plus! Sérieux? Non, mais oh! Vous êtes cru où, les gars, là? J'avoue que j'étais pas serein, là. Quand ils sont arrivés juste là. Non, c'est pas ça que je veux. Tiens, j'ai loupé un trésor là. C'est quoi ce bordel? Des balles de pompe, bien entendu. Hein? On m'a dit que c'était ça qui nous manquait. Qu'est-ce qui me manque? Ah non, c'est de ce côté-là. Ah, si c'est de ce côté-là, ça va. On reprend le petit flingue. Non, là, il n'y a que dalle. On y va de pépère, on a le temps, on n'est pas dans une course de vitesse. Alors je sais qu'avec le temps que j'ai passé déjà, j'aurais pu finir le jeu. C'est bon, vous n'êtes pas les premiers à me le dire. Même si vous ne me le dites pas, mais je le dis quand même. Mais j'ai déjà reçu dans les commentaires. Oh, mais t'es lent, machin. Ben oui, je suis lent. C'est ma façon de jouer. Cartouche de fusil, très bien. Au moins, je ne loupe rien, ou presque rien. Pour l'instant, à part le toit du château où j'ai loupé quelque chose, et la maison de Louisa en flammes où j'ai loupé un truc dans une pièce, pour l'instant, on est plutôt pas mal.
Bah allez, on va monter. Alors attendez, il y a une échelle ici. Ah, regardez, il y a encore des objets là. Comment est-ce que j'ouvre ça? On va trouver, petit Winters, ne t'inquiète pas. Munitions de fusil sniper. Ok, très bien. Pourquoi tu veux que je concocte quoi là? Ah, des pales de snipe. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. J'approuve, mon gars. Ok, il y a un escalier à côté. Ok. Munition de fusil sniper. Très bien. Il y a encore des trucs là-bas. À mon avis, la porte est à deux leviers. Donc, désolé pour le chien. La porte est à deux leviers. Donc, à mon avis, il va y avoir. Ah, bah, regardez. Regardez. Quoi? Est-ce que je crie, moi? Voilà, tu bouges pas. Il y en a un à côté de moi ou quoi? Ah, lui, là, en bas. Voilà. Ah merde, je me suis trompé de touche. Je voulais prendre le pompe et j'ai pris le snipe. Dégage. Non mais oh. Ah oui. Ah oui. Oh, il m'a évité. Oh putain. Non mais vous vous croyez où les gars là? Oh putain. Vous croyez à la foire, à la saucisse là ou quoi? Voilà. On me respecte, moi. Hein. Me suis sorti de taré là en Louisiane, je vous rappelle. Tiens, moi je crie pas. Ah, mon avis, il a dû arriver. Voilà, très bien. Vous en voulez encore? Là! Non mais oh! Incroyable ça! Aïe! Ben voilà, ça prend par derrière là! Fou ça! Il y en a encore derrière moi! Putain mais hé! Ça suffit! N'empêche que c'est le deuxième passage avec des hordes de licornes quand je pense que certains critiquaient le 4-5-6 parce que c'est trop action. Bah là j'avoue c'est ample mais on s'en sort encore. Et si ça se trouve c'est tous les licornes du début du jeu là. Quand ils sont arrivés, qui nous ont coincés, qui se sont barrés là avec le roi singe. Le roi singe est toujours vivant, hein, parce que c'est vrai qu'on parle des seigneurs d'Heisenberg. De Dimitrescu, de Beneviento, de Moreau, il y a toujours ce foutu roi singe qu'on n'a pas eu encore. Hein. Encore des sous. Je peux encore fabriquer des choses? Bah, bien sûr, allez. Balle de pompe. On va peut-être se soigner un coup quand même. Hein. On a des soins. Profitons-en. Bon bah du coup j'imagine que l'échelle c'est la prochaine destination. Bah il est facile parce que je prends mon temps et je trouve des ressources. Peut-être que si tu vas en ligne droite en mode cogno, c'est peut-être moins facile du coup. T'as plus d'occasion de crever je pense. Voilà le deuxième levier. Donc la porte va être ouverte. Par contre j'ai pas trouvé le coffre là. C'est quoi ce bordel? Moi je veux pas qu'il y ait un coffre sans bibi. Évidemment, ce tandoo, il ne peut pas sauter. Hein. Bon, il est où ce coffre là? Il serait vers là. Faut que je redescende. Ah, normalement, il devrait être là, là. Voilà, je suis dessus. Donc si je suis dessus, bah, il n'est pas en haut. Du coup, a fortiori, il est forcément en bas. Ça ouvre rien, ça? Il est où ce compte trésor là? Il est trop simple, mais bon, c'est la règle des jeux vidéo. Ah, bon, je l'ai pas encore, hein, ok. Ah, mais j'ai quand même quelque chose là. Ferraille, bon, bah, très bien, je serais pas revenu pour rien au moins.
Du coup, bah, je refais le tour, c'est pas bien grave. Donc je disais, il est trop simple, mais bon, c'est la règle des jeux maintenant, de ne pas frustrer le joueur. Et ben oui, hein, tout est assisté maintenant, hein, comme dans un autre domaine sur lequel nous travaillons. Hein, les assistés, dans le même genre. Nous, à notre époque, on n'avait pas toutes ces aides. Eh oui, on était des durs, on était dans le vrai. Bon. Allez, et ben c'est parti alors. Ah, j'aime bien ouvrir des portes et qu'il y a des caisses devant moi. Ouais, je suis en mode papy grenier. Est-ce que vous vous souvenez du jeu où j'étais mort plein de fois? Eh oui, dans le temps, il n'y avait pas tout cet assistanat là. On se démerdait tout seul. Mais moi, je suis encore traumatisé par Code Veronica. Hein. Celui-là, quand je l'ai découvert, alors j'ai bien géré sur mon let's play. D'ailleurs, je l'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je l'avais publié en septembre de l'année dernière. Donc, septembre ou octobre, dans ces eaux-là. J'avais plutôt bien réussi. Mais alors, la première fois que je l'ai fait, t'es mais mamma mia, quoi. C'était chaud, c'était chaud. Bon, là, il y a. Non, il n'y a rien du tout. Et je peux encore rien faire là? Ah, mais si! Allez! Et en plus, je peux même refaire des soins, mais c'est parfait! Écoutez, on est bien là, hein, franchement! On est bien fourni! Donc, ce serait bien que je trouve un. Non! Ce serait bien que je trouve un vendeur! Parce que là, ça commence à être un peu critique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Je vous ai pas du tout dit de vous mettre ici, mais enfin! Qu'est-ce que c'est ça? Cartouche de fusil? Oh alors, enfin, n'importe quoi, hein. Les trucs là, ils se mettent un peu au pif. Allez, la viande, on va la mettre là. Là, j'en ai marre que ce soit tout au milieu, là. N'importe quoi, ce rangement là, hein. Voilà, c'est quand même mieux, hein. Ouais, on va le mettre là, voilà. Bon, je pense qu'on est pas trop mal. On va recharger le snipe. Voilà. Et merde, j'arrive d'où là? Ah oui, j'étais en bas. Ok, et ben continuons par ici du coup. Ouais, franchement, j'étais très content de ma performance sur Code Veronica. Pour l'instant, celui qui m'a le plus fait galérer, c'est le zéro. Et C'est ça faisait sûrement une partie des deux première. jeux sur lesquels je craignais le plus. Le zéro avec ses singes à la con là. Putain, mais je m'en rappelle encore de. J'ai même dû supprimer un épisode parce que j'étais mort. J'avais pas passé le passage en un épisode quoi. Et ça, bah, du coup, vous le verrez jamais puisque je l'ai supprimé. Ah putain. Merde, j'ai loupé. Tiens. Aïe. Où tu sors, toi? Merde. Oh, je suis le con. Comment c'est possible, ça? Tiens. Non, mais oh. Mais. Putain, il sort de nulle part, l'enfoiré! Qu'est-ce que t'as là? Ça suffit maintenant là! Dégage! Là! Et il se relève en plus! Oh, ce que je t'ai dit, mon gars! Mais merde! J'ai plus de balles! Voilà. Crâne. Oh! Oh, il m'a évité! Le coquinou! Et il m'a touché en plus. Et ils font des petites feintes là. Attention, hein. Bon, il va falloir que je refasse des balles de flingue là. Ouais, mais j'ai pas de quoi faire. On va peut-être se soigner un coup, hein, allez. Ouais, mais le problème c'est que suffit de courir et les esquiver, le problème c'est qu'il faut connaître le chemin parfaitement si tu veux passer. Pourquoi je reprends le pistolet alors que j'ai plus de mun? Tu veux me dire? Toi, tu bouges pas. Encore? Là, même la mimine, je l'ai eu.
Et non, toujours pas. Je peux faire un soin par contre. Bon, ne venez pas trop en masse là parce que. Ça commence à faire mal là, les balles qui disparaissent. En veux-tu, en voilà là. Il y en a encore, j'en entends. Mais j'espère que c'est pas l'infini. Hein. Tiens! Là, je suis en train de niquer toute la famille là. Toute la famille de Lycan. Remettre de premiers soins, très bien. Bombe tuyau, ça peut servir. Putain. Aïe aïe aïe, merde! Il doit pas être loin. Qu'est-ce que tu fais? Merde! Oh merde! Eh oui, mais les balles, gars! Mais! Genre, j'ai loupé! Vous êtes sérieux, là? Non, mais ça va, là! J'ai le problème, parce que j'arrive plus à jouer au jeu plan fixe à moi, au lieu de me stresser. Oui! Faut avoir l'habitude. Ah, ça y est, la musique s'est arrêtée, on est tranquille. Faut avoir l'habitude, c'est vrai que moi maintenant, je vais pas dire que je suis né avec des caméras au plan fixe, mais c'est quand même vachement plus facile pour moi qui ai vécu les premiers jeux dès le début, quoi. C'est sûr que maintenant, pour les novices ou ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps sur ces formats-là, c'est compliqué. Moi, par exemple, un Tomb Raider de l'RPS1 ne me fait absolument pas peur. Pourquoi? Parce que j'en ai eu... Enfin, je les ai fait des tas et des tas de fois, et pourtant, le gameplay est vraiment très lourdingue. Ah, putain, la musique qui revient. Et merde! Bon, on se le fait au couteau? En même temps, t'as tué leur mère l'autre jour, normal qu'il doit être tué. Ouais, c'est ça. Aïe. Ah bon, il fallait essayer. J'avais pas envie d'user une grenade là. Fais chier. Ah, même quand tu... Putain. Mais je m'en fous du fric là. Moi je veux des balles. Bon, tu me laisses pas le choix. Hein. Oh putain, ce qui m'a mis. Ce qui m'a mis. Elle du mercurochrome. Par contre, j'ai pas fait le... Ah si, c'est en bas. Bon, je l'équipe là, ça sera fait. Là! Là, vous êtes beaucoup, là, donc ça me dérange pas. T'en veux encore, toi? Mais, genre, il y en avait un derrière moi? Ah, la mort à plusieurs. Bon, j'ai un trophée, au moins. Là! Ah oui, il est là. Boum! Sans blague. Non mais hé, ça suffit maintenant. Voilà. Ouais mais grâce au... Ouais mais moi pour moi c'est du mercurochrome puisque tu te fais couper la main et il la remet comme ça d'un coup là. Ah, ça doit venir chez toi alors mon ami parce que moi ça se passe plutôt bien. J'ai un très bon rendu. Bon, là, il me faut des balles. Hein. Voilà. Bon, j'ai préféré... équilibrer. Chercher le mot. Putain, il y a encore des trucs ici. Ah non, puis là, je suis sûr que ça vient pas de chez moi. Mais attendez, mais là je vais me tirer là. Ah, remarque, c'est... Ouais, bon, moi je suis à l'étage. Hein. Je suis à l'étage. Ah, mais non, je suis revenu à la save là comme un con. Eh bien, vous savez quoi, je vais sauvegarder puisque j'en ai quand même liquidé pas mal là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne solution, non? Allez hop, c'est sauvegardé. Comme ça, au moins, si je crève. J'aurais mis pas mal de ces foutus lycans hors d'atteinte. Ah ouais, putain, ils venaient de là où j'arrivais. Bon, très bien. Ouais, je pense que c'est là-bas, c'est par là-bas.
Par contre, je suis pas serein, il y en a au taquet ici, hein. Et allez, ça revient derrière. Qu'est-ce que tu fais là? Merde! Incroyable! Ah ouais, non mais là, c'est quoi cette tournée de lican là? Allez, putain! Merde! Oh putain! Tiens! Des grenades explosives. Il y a encore des amateurs là? Ah non, j'ai plus de balles, chier. Alors attendez. Allez, on va refaire un petit peu, mais bon. Idée de Capcom, mettre des ruines avec 50 licans. Ouais, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est dommage. Là, il y en a tellement que c'est plus une surprise, quoi. Hop. Parfait, c'est bleu ici. Par contre, c'est rouge à la salle de sauvegarde. Ça me fait chier, ça. J'espère que j'y retourne. Ah, super. Bon, alors, on va essayer d'augmenter la cadence, alors. Yes. Où tu vas, toi? Aïe! Putain de... Et l'autre, il fait des petits tours, là. Des pas de danse pour m'éviter. Et toi, ouh, il a failli m'a choper encore, l'enfoiré. Voilà. Oh là 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 là, c'est la galère. Et je peux plus faire de... Celui-là est balèze. Merde. Mais non! Pourquoi j'ai visé à côté? Là! Vite, 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 recharge! Voilà. Incroyable! Merde! Le bâtonnet! Bim! Il me faut des soins là, j'ai pas le choix. Eh oui, bah oui, 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 je sais, c'est la merde. Vite, 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 vite. Ah, ils sont bons mes bâtonnets, hein. Merde. Voilà, dégage. Bon, mais elle est où cette foutue corde là? Mais non, ça me ramène... Non, non, c'est pas par là. Ok, bon, bah, on se casse, hein. J'ai pas... Ah, si. Allez, hop, encore. Parfait. Bon, en soi, on est bien. En soi, on est bien. 44 minutes, déjà. Merde. Il y a du monde, le petit Heisenberg chez lui, là. C'est quoi? Cartouche de fusil. Ok. Mais oui, c'est la tyrolienne, bien sûr. Oui. Non, là, ça, c'est bon. Allez, donnez-moi des poudres noires. Munitions de magnum. Ah, ça, je prends. Alors, poudre noire, ça ne suffira pas, non, pour mettre quelque chose. Enfin, pour faire des balles. Ici, c'est bleu. Ok, donc on va garder le peupon, hein, puisqu'on a que ça sur lequel on a des balles. On fait un petit...
Non? Genre, on peut pas casser le patrimoine. Non, je suis dégoûté. D'habitude, on peut les casser, ces trucs-là. Pourquoi ça, on peut pas? N'importe quoi. Et on peut pas le prendre, du coup? Un vase incassable pour le duc, là. Pas nous faire un super prix dessus? Qu'il se détachait. Ok. Munition de fusil snipe. Voilà. Ça, on aime. Ouais, je peux en refaire des munitions de snipe, mais bon. Ça prend quoi? Poudre noire, ferraille et fluide. Ouais, mais non. Non. Ok. Oh, toi, je t'ai vu. On va pas utiliser des balles parce que je les compte, là. Voilà. Bon, il est où, Heisenberg, là? Très loin maintenant là. Ouh là là. Et par contre, j'espère que je vais pas avoir un boss là, parce que là les balles, merci hein. Comment je vais faire moi? Ouh là 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 là, il y en a encore partout, ça grouille de partout. Ils ont voulu nous faire comme les Lickers là, avec un petit passage juste à côté. Remède de premier soin. Bon, je vous avoue que c'est pas ce que j'ai le plus besoin maintenant. Pourquoi on me donne toujours des trucs dont j'ai pas besoin? Interagir. Les ordres du roi sont arrivés, nous devons nous replier. C'est rageant de devoir abandonner la forteresse frontalière à ces hérétiques. Si seulement nous avions un peu plus de temps, je suis sûr que nous pourrions renverser le cours de la bataille. Non, inutile de me mentir à moi-même, c'est ma curiosité qui me lie à cet endroit. Il y a dans les environs un certain nombre de vestiges, dont les locaux disent qu'ils sont très anciens. Quatre statues immenses qui entourent le lieu de cérémonie, une grotte avec des symboles taillés dans la roche, et pour finir, une sorte de piédestal de pierre qu'ils appellent le calice des géants. D'où viennent ceux qui en sont à l'origine et que leur est-il arrivé? C'est un déchirement de devoir abandonner cet endroit sans avoir de réponse à ces questions. Ouais, bonne chance. Ah bah, nos nouveaux points de sauvegarde, tiens. J'ai tout trouvé. On est à 47 minutes. Allez, on est des fous. On va continuer un poil. Ah, mais le problème, c'est que j'ai plus rien, quoi. Et le marchand, là, il peut pas y avoir un marchand? J'ai tout un tas de viande avec moi et je peux pas m'en séparer. J'aurais peut-être dû... Oh putain, alors là, ça pue l'arène. Allez, on y va. Bah oui, quelle surprise. Hop. Pas bon, ça. Que dalle! Non, t'es sérieux? Bon, attends, attends. Je vais prendre le dernier bâtonnet. Oh putain, c'est le roi singe. Oh putain. Mais pas assez loin, Ethan. Putain. Oh, une hache. Eh, hey, tu les aimes, mes bâtonnets, hein? Alors, on va refaire comme l'autre de tout à l'heure, là. Vite, 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 casse-toi. Tiens! Allez, on continue. Aïe, j'étais un petit peu près, mais ça passe. Allez, viens. Viens, mon petit canaillou. Viens, viens, viens. Voilà! Hop, de ce côté-là, maintenant. Ah, il s'est relevé. Enfin, il est remonté, je veux dire. Je suis à côté, mais quelle truffe! Genre, il a pas explosé le truc? Tiens, voilà, bon, juste retour des choses. Bon, le problème, c'est que j'ai plus rien. Comment je fais, là? Si, j'ai encore des mines. Est-ce qu'on prendrait pas un petit peu de mercurochrome? On sait jamais, ça peut servir. Voilà. Allez, mets-moi ça! Bon, j'ai pris un peu cher, mais lui aussi... Oh, le combat. Le combat d'aveugle, quoi. Bim! Allez, t'en veux encore? Mais recharge pas, putain, c'est pas le moment.
Genre là. Putain, j'ai une mouche qui m'emmerde. J'ai encore des mines. Mais oui, j'ai encore des mines. Là. En plus, j'ai un système de défense immunitaire incroyable. Tiens. Allez, t'en veux encore? Allez, viens là, mon canaillou. Et c'est qui? Et c'est qui le papa, là? Hein? Là. Non, mais oh. Incroyable, ça. Combat de mine. On dit quoi, là? Pas peur, moi. Allez, hop. Oh, ce combat d'aveugle là. C'était. Ça devait être dégueulasse à regarder. Je suis désolé. Mais bon, là, c'était vraiment trop simple. Avec toutes ces mines là. Finalement, j'ai bien fait de les acheter. J'étais un peu réticent à les acheter la dernière fois. C'est vraiment l'épisode de la mine, quoi. Autant dans le décor que dans le stuff. Et par contre, franchement, c'est un peu naze qui me touche pas. Bon, sur le coup, ça m'a arrangé, mais l'explosion, la détonation, je suis à côté. À moins d'être vraiment dessus, tu te fais pas toucher. Ah, remède, il est où? Il est là. Et j'ai tout pris. Parfait. Oh, c'est joli ici. Ah, il y a encore des trucs. Il y a des trucs que j'ai pas trouvé. Ah, mais il y a plein de choses là-haut, là. Rien, mettez-moi ça. Et de 1. Et de 2. Oh la vache, il y a plein de trucs. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Allez. Par ici, la monnaie. Où j'ai pris plein de trucs en plus. Et il y en a encore. Il y en a encore. Ça brille là. Mais oui que ça brille. Fragment de cristal. Et il n'y en a plus. Oh, on va se faire les coronets en or quoi. Bon, pour ça, il faut qu'il y ait un marchand. Parce que s'il n'y a pas de marchand, ils sont bien gentils, ils sont bien mignons, mais bon. L'autre, c'est le commerçant numéro 1 du village, il est jamais là, quoi. Faites marcher la concurrence, hein. Alors, oh là là, le jeu de mots. Mine-moi le cristal. Bon, j'avoue, là, je suis battu, hein, vraiment. Allez, hop, on recharge tout. Parfait. Et ben voilà, j'ai le dernier bocal. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est une jolie vision de famille. Par contre, j'avais des petites mains. Hein. Quel spectacle, Ethan! Bien joué! Pas la peine de te gâcher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi! Encore un petit effort et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors en échange? En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Ah, il est pas venu le bougre. Hein. Qu'est-ce que j'adore sa voix, lui. Mais Negan en force, les amis. Negan en force. Je suis sûr qu'il y a des connaisseurs. Alors, du coup, je vais tomber sur le fameux trésor que je cherchais, le plat de Guglielmo. Bon, il va falloir changer de nom, mon gars, parce que c'est pas très facile à prononcer. Ah, bah tiens, un petit bateau. Du coup, c'est bon. Voilà. Ah, trop bavard, ouais, mais après, Negan était bavard aussi, donc ça va bien. Bon, après, j'ai moins d'affect avec Heisenberg qu'avec Negan, forcément.
Mais du coup, à chaque fois que j'entends sa voix, je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison. Et c'est bien normal. Là, ok, je peux stationner, mais... Ouais, non, il n'y a rien. Oh là là, puis la maniabilité du bateau, mais on dirait vraiment que... Il y a une direction assistée de folie, quoi. Et franchement, si ça se passe comme ça, les bateaux dans la vraie vie... Mais je passe mon permis bateau de suite, les gars. Hop, ça brille pas, ça? Ah non, c'est un projecteur. Oui, bah oui, ça brille, mais bon. On va pas en faire grand-chose. Tiens, tiens. Ah, mais oui, mais l'échelle, mais bien sûr. Et bah voilà. Quand je vous disais que cette porte, c'était une sortie. On y est. On y est à la sortie. Mais bien sûr que je déverrouille. Et du coup, on a 55 minutes, les amis. Donc forcément qu'on va revenir. Ouais, je vais aller à gauche, mais je vais aller sauvegarder avant. Et comme ça, je vais mettre fin à cet épisode. Ne vous inquiétez pas, le live, vous restez. On va encore continuer. Par contre, je vais mettre fin à cet épisode pour la VOD. Bon, le PC, on l'a déjà lu 50 fois, on s'en fout. Voilà, bon, et ma YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez me suivre sur mon Discord, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter avec moi ou avoir la notification des lives en temps réel, c'est KaoGaming 4741. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Allez, et puis bah, nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Resident Evil Village sur YouTube. Allez, salut à tous!